C'est juste la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Haul Brocante. Aujourd'hui, petit haul rapide. Voilà, j'ai trouvé quelques petits trucs plutôt sympathiques. On va tout de suite regarder ça. Et on va commencer direct par l'achat le plus gros, on va dire. Ce qui va coûter le plus cher. C'est voilà, le pack ici. Donc dimension avec le portail, les figues et tout. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. C'est ce qui va d'ailleurs me permettre donc de jouer à Lego Dimensions. Alors, je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est pour toutes les plateformes, normalement. C'est adaptable sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous ferai peut-être une review de ce set-là. Et on verra après, peut-être pour si j'en trouve d'autres comme ça, de vous les présenter. Je vais pas vous mentir que ça va être un peu compliqué, puisque c'est quand même sorti il y a quelques années maintenant. Alors, si je regarde ça, on va dire... Pas plus écrit que ça, peut-être là, ouais, 2015, ouais, 2015, j'allais dire 2017, non, non, 2015, effectivement, donc ça remonte un petit peu, mais je vais pas vous faire la review, donc ça peut être super sympa de voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, c'est qu'on va laisser ça en fond. Ensuite, effectivement, au même stand, j'ai trouvé quelques petites figurines que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, pour le coup, vous avez une figurine de Chromius, donc dans Chima. Alors, ça, je trouve un tout dernier moment pour tout vous dire. En fait, c'était la figurine de Chromius, à un petit détail près. Bah, c'est le casque. Du coup, c'est pas le bon. Hein, c'est pas un casque de moto qu'il a. C'est une tête de crocodile. Là, je vous montre l'arrière de la figue avec le torse qui est juste magnifique. La tête avec les sourcils grisonnants. Là, vous avez sans le casque, avec la petite barbichette aussi sous les dents. Non, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai trouvé deux petits torses Ninjago. Le premier appartient à Acidicus, donc dans les serpents de 2012. Et l'autre, c'est un torse de Zayn, effectivement, donc de Zayn de saison 3, donc 2014. On lui fait l'arrière des torses. Voilà, tac, juste ici, voilà, vous l'aurez vu, donc avec le petit stand. Et du coup, dernier achat en brocante, c'est cette toupie juste ici, donc de Lloyd. Effectivement, donc 9 scellés. Elle m'aura coûté donc 6 euros. Il en voulait 7, je l'ai eu à 6. Donc du coup, on récapépète. 10, 6, 16. Et du coup, ça c'était cadeau avec. Et en gros, ça je l'ai payé 2 euros supplémentaires. Voilà, vous l'avez vu. Voilà, un petit peu. Donc voilà pour ce haul. Brocante, mais c'est pas tout, parce que je suis passé par Smith Toys. C'était un peu à côté, donc je suis allé voir. Et donc du coup, j'ai pris la moto baignoire. Juste ici, voilà, ça aussi c'est une review. Pour le coup, donc voilà, petite review assez sympa de la baignoire. Pour le coup, voilà, je l'ai pris, j'ai eu à 6,99€, donc 7 euros, au lieu de 10 euros, donc c'était assez rentable. Voilà. Au moins, je l'ai, je suis content de l'avoir, parce que je ne voulais pas passer à côté. Voilà un petit peu donc pour ce haul. Surtout, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé. Hein. Et voilà, bah, du coup, c'était un peu qui vous dit bye bye!